Hey hey, ici Frankie de Alinky et c'est pour dire que j'ai reçu du nouveau stock. Puis là, vous voyez justement, j'ai un autre micro. J'avais un Blue Yeti qui est ici, que c'est Alex qui va le prendre, puis qui va pouvoir l'utiliser pour vous faire un meilleur son. Moi, j'ai justement ce micro-là, puis je vais checker si jamais j'utilise un autre micro prochainement. Ce serait un encore meilleur. Shure PGA 27, que c'est un très très bon micro de podcast, puis aussi possible pour le chant. Puis j'ai acheté en ligne une coupe d'affaires que je suis supposé d'attendre de recevoir. Je vais cacher ça parce que si je vois ma face en même temps, ça me cause problème. Puis désolé, j'ai un rhume, fait que je prononce tout croche. Puis j'ai acheté ces écouteurs là qui sont incroyables. Ce qui est bien, c'est que c'est des Blue comme le micro que j'utilise en ce moment, qui est un Spark, un Blue Spark Digital, que c'est la suite dans le fond immédiate du Blue Yeti. Fait que c'est de qualité supérieure. Ça a un mode focus. C'est très bon. C'est juste pour vous parler de mon setup, mon nouveau setup. Puis en ce moment, vous me regardez à travers une nouvelle webcam. Et aussi HD 1080p, mais en 720p, elle peut fonctionner à 60 images seconde, ce qui est très surprenant pour une webcam. Ça fait pas ça d'habitude. Je vais me moucher. Attendez 2 secondes. J'ai acheté le micro d'un particulier à peu près 109 ou 110$. Si là, les chiffres que je donne, c'est sans shipping. 110$ ou 109$ pour le micro. Le pop filter, 5$. Le stand que vous voyez, il est de 16,99$. Puis j'attends aussi un autre stand que je sais pas si c'est lui que je... Non, c'est pas lui que je reçois parce que je suis censé le recevoir dans 2 jours. Puis l'affaire, c'est... Ah, ma webcam était 80$, je crois. Puis là, j'ai du stock à déballer avec vous. Que je sais pas c'est quoi. J'ai hâte de voir. Fait que j'ai un colis ici que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai surpris le gars en flagrant délit en train de déposer mon colis. Fait que j'ai dit: Hey, what the fuck, je te caille! Puis là, il a dit: Quoi? Puis là, j'ai décrissé l'œil avec mon couteau. Puis il est reparti. Tout croche, évidemment, parce qu'il ne voyait plus bien la route. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh yes! J'ai reçu mon Shure SM58. Avec ça, on va pouvoir faire mes enregistrements juste pour vous. Les enregistrements professionnels pour... Oh, wow! Shure SM58. Je sais pas si ça va le lire à l'envers ou à l'endroit, mais c'est légendaire. On va ouvrir ça tout de suite. Est-ce que c'est comme ça? Comme ça. Oh wow. Le stand pour le faire tenir. Et le micro que je sens très bien. J'ai reçu un texto. Ça, c'est pour l'attacher, j'imagine. Ça, c'est le stand. Et c'est... Ah! J'ai aussi la pochette qui vient avec. Pour si jamais je veux traîner mon micro en quelque part. Puis il y a aussi un sticker. Pour si je veux coller un sticker de Shure à quelque... Ah! J'ai quasiment vomi. Merci de regarder pendant que j'ai les yeux pleins d'eau. Puis que je vomis presque. Oh! La merveille du monde! Il est lourd. Puis il y a un on-off switch. Hey! Motherfucker! Ça va être écœurant. Puis les écouteurs, eux autres. Il y a 2 options de fil qui viennent avec. Le son est très clair en passant. Puis vraiment très fort. Il y a 2 options. J'ai l'option à peu près 4 pieds que j'ai connecté à mon micro.
Puis j'ai une autre option, le fil, il est à peu près 8 ou 10 pieds. Fait qu'il va pouvoir me connecter de beaucoup plus loin sur la boîte que je vais... D'après moi, c'est l'autre chose que j'ai reçue. On va checker ça ensemble. Checker la beauté de ce micro-là. Là, je vais le mettre. C'est vrai, il n'y a pas de focus. Je suis tout en train de laisser mes traces de doigts. Et ça me semble être un vrai. J'ai bien écrit Shure 1, 2, 3. Mais il est magnifique. Yes! Fait que ça va être complètement fou. Parce que ça me prend une boîte absolument. D'alimentation. Un preamp. Fait que là, j'ai ça qui est pas mal plus lourd. Qu'on va ouvrir aussi. Mon preamp. Ça, get the fuck out. Ok. Preamp! Avec toutes les gogos pis les fils. Fait que dans ça, j'ai mes fils XLR pour me connecter, pour chanter. J'ai aussi le câble USB, puis j'ai aussi d'autres câbles comme des fils à guitare. Pour connecter guitare, ampli, pour connecter n'importe quoi à mon preamp. Que ça va être parfait. Puis j'ai la M-Box Mini 3. Quand même vieille, mais très très durable et efficace selon un ami à mon père qui m'a conté. Lui est meilleur en musique, il est très bon en musique, fait que... En même temps, ça fait aussi un hommage à Luc pour la musique, la guitare, des fois le chant. Il est pas dans mes vidéos pour le moment, mais je le trouve bon pour ce qu'il m'a déjà montré à la maison. Puis un hommage que je veux faire à tous ceux justement qui trippent sur... Surtout un gars qui capote sur la qualité de mes vidéos de Metallica. Salut Pierre Blanchette, puis merci beaucoup d'écouter mes vidéos. Pas casser l'ampli, là. Checkez ça. Wow! Ça, c'est un beau preamp. Ok, ça, on va pouvoir tout connecter mes affaires dessus, puis on va pouvoir chanter comme un vrai professionnel. Un professionnel sexy. Oh oui! Fait que là, ça va être vraiment nice. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais tout faire mon setup. Puis ensuite, ben, je vais peut-être... checker, peut-être pas aujourd'hui, parce que là, j'ai pas de stand pour mon Shure. Mais je peux toujours chanter en attendant. Je pourrais chanter ici, connecté là-dessus. Mais sinon, prochainement, ce que je ferai, c'est que je m'installerai dans mon garde-robe au fond. Je sais pas si on le voit. En tout cas, c'est ça. Au garde-robe au fond, j'ai installé un coussin. Comme vous le voyez, au bout de mon doigt là. Le coussin qui fait comme ça. Puis, m'a pouvoir chanter directement dessus, ce qui va être complètement parfait. Fait que, merci beaucoup d'avoir regardé, puis on se revoit dans toutes les prochaines parties de gameplay et de chant. Fait que je vais essayer de faire de plus en plus de musique, tranquillement, pas vite, parce que là, je suis occupé dans mes affaires. Fait que, merci, et à la prochaine. Ciao! Bon, voici comment ça sonne dedans le micro. Là, j'enregistre. Parce que j'ai fait l'enregistrement très avant, puis il s'enregistrait en stéréo. Puis quand j'enregistre en stéréo avec un micro comme celui-ci, ça va enregistrer seulement l'oreille gauche. Puis je veux pas m'entendre en playback seulement dans l'oreille gauche. Fait que là, je l'ai seté pour vous montrer un test. Fait que c'est pas mal ça, le micro sonne très bien. Comme vous le voyez, ben c'est bien ce micro-là que j'utilise parce que le son change pas. Si je parle un peu plus loin, ben on m'entend de moins en moins. C'est tout à fait normal. Puis, c'est ça, j'ai juste tout seté mes affaires sur mon bureau. Là, tout est placé puis tout fonctionne à la perfection. Et voilà. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé. Puis merci de regarder le nouveau stock que j'ai reçu, parce que je suis content, puis ça m'a coûté cher, mais c'est une passion, puis c'est quelque chose que je veux faire pour chanter pour vous, parce qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec ça. Merci!